Ça a commencé très vite après la parution du premier tome. Un ami m'avait donné cette bande dessinée. Je l'ai lue et immédiatement j'ai eu envie d'acheter les droits. D'une part, il voulait faire un film dans les milieux politiques. D'autre part, c'est un humour qui lui va tellement bien. C'est des histoires courtes qui sont dans la BD, puis ils ont réussi à en faire une seule histoire avec une bonne dramaturgie, avec un truc qui avance jusqu'à... avec une résolution. C'est encore plus enrichi, encore plus développé, ils ont pu aller plus loin et en même temps en finesse. La bande dessinée, j'aurais pu en faire 1000 pages. Quand on crée des personnages, après on peut les faire parler à l'infini. On peut les confronter à n'importe quelle situation et imaginer ce qu'ils feraient. Et donc finalement, il y a quand même pas mal de choses qui ont changé ou qu'on a rajouté. Il y a toute l'essence de la bande dessinée. L'humour, la distance, la justesse de ce milieu, le ton. Je ne sais pas comment ils ont réussi. Et l'idée de Thierry Lhermitte et à la première lecture, Nils Arestrup, c'était incroyable. Raphaël, il est, mais c'est... voilà. Bah, comme dans les films de Tavernier, quoi, il y a un casting formidable, que des acteurs fantastiques avec lesquels c'est un régal de jouer. Pour certains, il est parti des critères physiques de la BD. Il y en a qui sont tellement cocasses. Par exemple, pour le personnage de Cahu, il n'a jamais envisagé d'avoir un type qui ne fasse pas 1m95 minimum. Puis il a la tête de Cahu, quoi, je veux dire, de la BD. Arestrup, c'est incroyable, quoi. Je crois que le casting qu'a fait Bertrand est vraiment formidable parce qu'on sent une alchimie entre les acteurs qui reproduit l'alchimie qu'il y avait entre les personnages et qui est très très forte. Je me demandais comment on a le décorateur et le cinéaste allaient rendre la patte de ce qui fait la bande dessinée. On bénéficiait du travail de recherche très précis qu'avait fait Blin. Tout le monde au Quai d'Orsay trouvait que le mobilier était super bien rendu, les accessoires, les habits, la couleur des murs. Et donc ça pouvait nous servir, ça. Et j'avoue ne pas avoir été déçu en arrivant au Quai, parce que je me disais les proportions sont gigantesques dans la BD. Et puis c'est vrai qu'en arrivant ici, quand on voit les couloirs qui n'en finissent pas... C'est Versailles ici. Je pensais pas que c'était aussi... Tavernier, évidemment, il prend les vrais décors. Il va dans les vrais endroits, il se renseigne sur les moindres détails. Et à partir de ça, ça donne une crédibilité à tout, même aux choses les plus insensées. Bertrand, il a choisi, sur certaines scènes, d'être complètement fidèle au découpage de la bande dessinée. J'étais très impressionné d'ailleurs par ça. Et sur d'autres, il a choisi un autre mode de traduction de cette histoire, complètement différent, avec des cadrages différents, en y ajoutant d'autres éléments qu'il avait envie de mettre dedans. Et on s'est démarqué de la BD en ayant vraiment un style très intéressant. C'est un vrai style cinématographique qu'a de fait Bertrand. Voilà. De par son expérience, il a tout de suite des idées, il invente en permanence. Il y a un style de l'image, mais il y a aussi un style d'une certaine forme de sonorité et d'un certain vocabulaire dans son film. J'espère que les gens jubileront sur le dialogue, parce que c'est aussi un film de dialogue. C'est un film, comme toujours, de sentiments, de personnages et de dialogues.